Bon. Bonjour, je te remercie d'être venu. Je m'appelle Mehdi Elkoued, je travaille pour Softim Nantes et en fait je suis architecte logiciel à Nantes. Et donc je suis venu vous parler aujourd'hui du langage RAML. Donc c'est un langage qui permet de décrire des API graphes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est API web. Donc une API qui est programmable en utilisant l'API, le protocole HTTP. Donc RAML, ça tient pour RESTful API Modeling Language, et donc c'est pour décrire des API REST. Alors rapidement, sans trop rentrer dans des détails, REST, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de contraintes qui s'appliquent à une architecture. Si jamais notre architecture respecte ces contraintes, on peut dire que notre architecture est RESTful. Donc il y a plein de contraintes. Il y en a 6, client-serveur. Le serveur, il ne doit pas gérer d'état, on doit bien gérer le cache. Mais il y a un quatrième point qui est très important, c'est la contrainte d'interface uniforme. Donc le client, donc par exemple le navigateur web, il va accéder à des ressources qui sont identifiées de manière unique. Donc par exemple via des URL. Donc c'est des choses qu'on fait tous les jours dans nos applis web. Et le client, il ne va pas manipuler directement ses ressources, il va les manipuler via des représentations. Donc, par exemple, des représentations JSON, ou SQL, ou XML, ou tout ce qu'on veut. Donc c'est un concept qui est très important dans les API. Après, il y a d'autres contraintes qui sont importantes. Mais bon, on a une architecture multicouche, donc le client et le serveur, il peut y avoir des intermédiaires, des caches, des proxys, des choses, etc. Et une dernière contrainte qui est optionnelle, c'est le client, il peut réclamer au serveur du code, et il peut l'exécuter. Donc, c'est des concepts qui ont été introduits par Fielding dans sa thèse, et donc ces concepts ont donné lieu à des améliorations de l'aspect HTTP. Et donc, ce qui fait que HTTP, les applications web d'aujourd'hui qu'on a, c'est les applications les plus adaptées à être RESTful. Donc c'est pour ça que souvent on mélange le concept d'API RESTful et d'API HTTP. Alors RAML, c'est un langage qui permet de modéliser les API REST, et donc c'est un langage textuel. Et donc l'objectif de ce langage, c'est vraiment de nous aider à décrire nos ressources. On a des ressources web, donc une collection de personnages par exemple, et sur ces ressources, on va vouloir faire des choses. On va vouloir récupérer les représentations de ces ressources, les modifier, les supprimer, on va vouloir faire tout un tas de choses. Donc ça, c'est un extrait une citation extraite de leur site, ramel.org, et donc voilà. Donc, au lieu de vous présenter le langage, en fait, j'ai essayé de faire une sorte de démo, de vous montrer comment je pouvais spécifier des ressources en français, et ensuite vous montrer comment je pouvais les spécifier en utilisant le langage RAML. Donc, mon exemple, c'est un exemple assez classique. J'ai une collection de personnages, c'est une ressource, et je veux gérer cette collection de personnages. Mais comment je fais pour la spécifier en français, pour décrire ce que je vais faire sur cette ressource de manière claire? Déjà, je définis mes ressources. J'ai la ressource slash personnage, une collection de personnages. Je vais vouloir récupérer cette collection de personnages. Donc, je vais envoyer une requête HTTP en GET. Je vais récupérer la liste des personnages. Et en code retour, je vais recevoir un code 200. Donc, c'est ce qui est écrit dans mon spec, dans ma spec. Si je veux modifier ma collection, ben, je peux faire un POST. Donc, je peux envoyer au serveur un personnage, format JSON par exemple. Et via un poste, et le serveur, il va l'ajouter à la collection de personnages. Il y a un code 201 qui est intéressant, c'est le serveur, il va me retourner, par exemple, mon personnage mis à jour, après avoir mis à jour l'identifiant du personnage, il va le créer en base, il va me le retourner. Le code 201, il permet de dire que l'objet a été créé en base. Donc c'est une sémantique qui est décrite dans l'aspect HTTP. J'ai une deuxième ressource qui est elle, c'est une ressource paramétrée, c'est slash personnage slash ID avec le ID entre accolades pour dire que ça, c'est un paramètre qui est dans l'URL de ma ressource. Et en fait, ça permet de représenter un élément de ma collection. Et le ID, c'est l'identifiant technique de mon personnage.
sur cette ressource paramétrique, qu'est-ce que je vais faire? Comme avant, je vais vouloir faire un get pour récupérer le personnage. Donc j'envoie un get avec slash personnage slash ID en donnant un bon ID. Le serveur, il doit me retourner un 200 plus le personnage, ou bien me donner un 404 pour me dire, moi ton ID, je le connais pas. Je peux faire un put sur la même ressource pour mettre à jour mon personnage. Donc, en tant que client, je vais envoyer un personnage au serveur, et le serveur, soit il le met à jour, si c'est un bon identifiant, soit il m'envoie un code d'erreur pour me dire, je ne connais pas ton personnage. Un deuxième élément de ma spec, c'est les structures de données. Je vais vouloir spécifier mes structures de données. Là, je les fais en français. Je dis juste un personnage, il a un nom, un prénom et un identifiant. Et je définis les contrats entre le client et le serveur. Le client et le serveur, ils veulent communiquer via du JSON. Ils auraient pu communiquer via du XML ou du texte ou autre chose. Donc ça, c'est une spec. Ça représente ma spec. En RAML, en faisant ça, j'ai atteint un certain nombre d'objectifs. J'ai un modèle de mes ressources. Je peux les donner à d'autres gens et ils vont comprendre ce que j'essaie de faire. Donc, j'ai atteint des objectifs, j'ai bien modélisé mes ressources. J'ai défini les méthodes qui s'appliquent dessus, j'ai défini les codes retour, j'ai défini un certain nombre de choses, j'ai défini la structure de données qui sera échangée grosso modo entre le client et le serveur. Mais j'ai d'autres besoins. Là, j'ai vite fait une spec, c'est à peu près compréhensible. Mais si jamais j'ai d'autres besoins, il va falloir que je réfléchisse, que je me mette d'accord avec les autres développeurs. L'écriture n'est pas très concise. C'est du français, c'est pas concis. C'est sujet à discussion. Voilà. Si je veux faire de la sécurité, comment je dis que je vais faire de la sécurité, par exemple? Si je veux réutiliser mon modèle, comment je fais? Donc, par exemple, si je veux utiliser ma spec en tant qu'outil de test d'une implémentation réelle, donc derrière cette spec, j'ai une implémentation réelle, comment je fais? Si ma spec, c'est du français, je ne peux rien faire. Je peux aussi avoir envie de générer du code à partir de ma spec. Donc, j'ai une spec et je veux générer mon API Java, JaxRS ou mon API Node ou n'importe quoi. Si c'est du français, pareil, je suis français. Donc, tout ce qui reste là, c'est la démo. Et en fait, je voulais, Mimi, vous faire une démo de l'appli web qui est développée par Ubisoft. C'est un éditeur web du langage RAML. Il y a trois bouts dans l'écran, il y a la liste des modèles RAML, des fichiers JSON, il y a l'éditeur RAML, et à droite, il y a une vue qui permet de tester le modèle sur une implémentation réelle. Les couleurs n'étant pas bonnes, en fait, je ne vais pas vous montrer via l'éditeur, j'ai tout copié-collé à l'arrache dans des fichiers texte, et je vais vous faire la démo. Dans des fichiers texte. Alors le premier modèle RAML, c'est juste en haut j'ai un dièse pour ça en RAML, ça c'est juste une directive qui dit là je fais du RAML, ensuite je mets le titre et basta. Personnage 2. Ensuite, dans ce deuxième modèle RAML, j'ai défini ma ressource personnage. Je peux mettre des commentaires, des descriptions, tout ce que je veux. Et je dis que sur cette ressource, je veux pouvoir faire un get. Je spécifie que je fais un get. Et quand je fais un get, j'ai une réponse. Mon get sur slash personnage, c'est toujours 200. Je sais toujours répondre en tant que serveur à cette chose-là. Et dans la réponse HTTP, j'ai un body qui est un document de JSON. Et... zoomer un petit peu. Et là c'est bien. Ça va pas aller tout à l'heure parce que j'ai trop de texte. Et donc j'ai défini ma ressource, j'ai dit sur ma ressource je peux faire un get, et j'ai défini le schéma JSON de ma ressource. Là, c'est juste du JSON, ça n'a, du schéma JSON, ça n'a rien à voir avec RAML.
Un schéma JSON, c'est comme un schéma XML, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je monte vite fait. J'ai un schéma JSON pour une collection de personnages. Je ne suis pas très content de mon schéma, mais ce n'est pas grave. Et là, j'ai un schéma JSON pour un seul personnage. Et dedans, j'ai un identifiant, un nom et un prénom. Et les différents attributs d'un objet sont bien typés. J'ai fait mon premier modèle où j'ai défini ma ressourçage personnage. Sur un get, je retourne un personnage qui doit respecter un schéma JSON. Là, je vais un peu plus loin. Et en fait, sur mon get, je peux aussi passer des paramètres. Donc, je vais aller un peu plus vite. Je vais définir un paramètre, des query parameters. Et je définis la liste des paramètres qui passent. Donc, il y a un match values, je peux le décrire. Je peux définir qu'il est optionnel ou pas. Et je peux le typer. Voilà, c'est pris en compte dans le langage. Et en fait, le max result, ici, son sens, c'est que je commence à faire de la pagination sur ma ressource. C'est-à-dire, en tant que client, je ne veux pas récupérer tous les objets, je veux récupérer seulement max result réponse. Et donc là, c'est un bon moyen de le faire. Ce deuxième modèle, je fais un post. Je peux faire une création de personnage, et en fait, quand j'envoie sur mon poste, c'est pour créer un personnage. Donc, dans ma requête, j'envoie un body qui est un schéma JSON et je peux donner aussi un exemple de document JSON à envoyer. Et en réponse, je reçois mon code 201 dont j'ai parlé tout à l'heure qui me dit en retour que j'ai reçu un document au format personnage. Minime. Je vais peut-être aller un peu plus vite. Ici, j'ai défini ma deuxième ressource qui est paramétrée. Et dans ma ressource paramétrée, j'avais l'ID, je définis que c'est un paramètre qui est dans l'URI. Ici, je dis que j'ai un bon paramètre qui s'appelle ID et je le définis. C'est un ID qui est de type entier, qui n'est pas optionnel. Ce modèle-là, en fait, j'ai une écriture un peu plus concise. Avant, j'avais les deux ressources qui étaient séparées, et là, je les représente comme une arborescence de deux ressources. J'ai slash personnage, et en dessous, j'ai slash personnage slash ID. Je peux factoriser mes ressources de manière hiérarchique, et ça montre bien mon intention en termes de modélisation. J'ai slash personnage, et en dessous, ça, slash ID, ça dit que, comme c'est en dessous, c'est du YAML. Ceux qui ne connaissent pas YAML, c'est peut-être un peu étrange, mais c'est bien. J'ai slash personnage et en dessous j'ai une sous-ressource slash ID qui paramétrait et ça c'est slash personnage slash ID. Minime. On parlait de sécurisation. Je peux aussi définir dans mon langage des schémas de sécurisation. Je peux les lister dans mon modèle. Je peux dire ben là je vais faire l'authentification basique ou haute. Il y a tout un tas d'authentifications et je peux les appliquer à mes différents verbes. Je peux dire par exemple que mon poste il est sécurisé en mode basique. Je vais quand même vous faire une démo de l'éditeur. Ici on voit à droite, c'est ici qu'il faut regarder. Là je suis en train de tester le poste. Il m'a utilisé mon exemple que j'ai mis dans le modèle RAML et c'est ce schéma là que je vais envoyer. Je vais tester mon API, je me mets en authentification anonymous, j'envoie mon document, et là j'ai eu un 401 pour me dire, il faut que tu t'authentifies. Mon authentification basique que j'ai définie, je la vois là, RAML, l'éditeur est sympa, il me permet de définir mon user et mon password, je peux faire mon post, et là j'obtiens bien un 201 et je suis content. Donc derrière ça, j'ai une implémentation JaxRS que j'ai codée pour l'élément. Et là, un dernier élément dont je vous ai parlé, en termes de concision du code, il y a certains bouts du spec qu'on veut réutiliser. Donc dans RAML, il y a une notion de thread qui permet d'extraire des bouts du spec, de les mettre de côté, les rendre réutilisables.
Donc il y a le mot-clé threats pour dire ben, je définis quelque chose de réutilisable, donne le nom à cette chose-là, je prends le bout de code que je veux réutilisable et je peux l'appliquer sur mon get. Donc j'ai. En termes de concision de code, c'est bien mieux que ce que j'aurais écrit en français. Et minime, j'obtiens mon modèle final qui commence à devenir un peu long. Et en fait, ce qui est intéressant dans le modèle final, c'est cette vision-là. J'ai une vision graphique de mes ressources. J'ai slash personnage sur lequel je peux faire un get et un post. Et j'ai slash personnage slash ID sur lequel je peux faire un delete, un put et un get. Donc ça, les gens, ils le comprennent. C'est un bon moyen d'échanger avec les gens sur un modèle. Et ben, je vous remercie. T'as un peu de temps, si tu veux. Hein. Et tu peux nous remercier quand même. Je voulais juste vous dire qu'autour de ça, il y a plein d'outils sur le site ramel.org. Il y a plein d'outils qui sont très sympas. Il y a un générateur de code qui génère du code Java, par exemple. Et donc, c'est un moyen sympa de démarrer un projet. Il y a un autre outil qui permet de tester encore de tester encore plus des API REST. Enfin, il y a tout plein d'outils qui sont très très sympas à utiliser. Et voilà. Et j'aime beaucoup ce langage, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Une question. Ça se positionne comment par rapport à Waddle? Alors Waddle, c'est tout moche. Waddle, ça doit faire partie d'une spec GPL2 qui permet d'écrire des ressources REST. Donc c'est quelque chose généralement généré par le serveur. On voit juste les ressources, on voit un peu les verbes, mais en termes de description, tu peux rien décrire. Enfin, tu décris pas grand-chose. Et par rapport à Swagger, Alors Swagger, c'est l'équivalent. Ouais. Il est très bien aussi. On l'a utilisé. D'accord. En mission, on l'a utilisé. Et on est tombé sur des gros bugs de Swagger. D'accord. Qui ont été très dérangeants pour nous. C'est notamment la modélisation des données sur des structures de données complexes avec une hiérarchie profonde. Bah, ils s'en sortaient pas, pourtant c'est juste du schéma JSON, mais voilà. Apparemment, ils vont faire une version 2.0 là, de Swagger, là, ils vont annoncer ça ce jour-ci. C'est peut-être des choses à remonter. Oui. Swagger, c'est pas mal aussi, ça s'intègre par exemple à CXF, alors que Ramel non. Et c'est le deuxième gros qu'on voit sur le marché. Blueprint, j'ai regardé aussi, ça ressemblait à peu près à ça, mais il n'y a pas autant d'outillage. En fait, ce qui était bien avec Ramel, c'est qu'il y a un vrai groupe de travail, c'est des gens qui se sont mis ensemble, donc, par exemple des gens de Mule ou d'ailleurs, et ils font le langage, ils font plein d'outillages autour. Il n'y a pas juste un langage. Enfin, c'est porté par Mule, principalement. C'est porté par Mule, mais il y a beaucoup de développeurs. Enfin, il y a des développeurs. On peut faire des pull requests. Ouais. On peut faire tout. Vous avez utilisé ça sur un vrai projet? Ben, nous, on utilise ça sur un nouveau projet. À la SNCF. Et c'est très bien. Et est-ce que justement, il y a une proposition de normalisation de RAMage au niveau de W3C Je pense pas que ça les intéresse. En fait, ils sont déjà un groupe de travail. À voir, je sais pas, mais à la différence peut-être de Swagger, c'est un vrai groupe de travail et c'est pas porté juste par une société ou une personne. Est-ce que tu penses justement que ça peut devenir peut-être après un langage réutilisable pour la définition du service REST? Bah nous on l'utilise pour faire ça. Enfin, mais je veux dire, de façon globale quoi, enfin, que tout le monde se mette à l'utiliser. J'y crois plus trop au spec global. Une norme de facto quoi. Il y a des gens, mais déjà juste Swagger, Ramel, il y a des gens qui aiment beaucoup l'approche Swagger et qui voudront jamais faire du Ramel. Il y a des gens qui aiment bien. Moi j'aime bien Ramel parce que c'est vraiment séparé de l'implémentation. Ça c'est un truc que j'aime bien. J'aime pas dans mon code avoir
du code RAML. Alors que je l'aurai dans mon code avec Spoiler. Donc il y a vraiment deux approches qui sont assez différentes. On fait du Spoiler, on fait plutôt une sorte de signé serveur. C'est pas la même approche. Et au niveau de la génération du code Java, du coup, il te rajoute des annotations JAX-CRS. Oui, oui, tout est JAX-CRS. C'est pas forcément très joli. Enfin, tout est une sorte de point de vue. Mais donc, peut-être que je peux juste montrer le premier modèle. Non, c'est dans Target normalement. Oui, c'est pas dans Data, c'est dans Voilà. Target. Donc il m'a généré le code de mes modèles, il m'a généré le code de mes schémas, mes classes Java, personnage et personnage, collection, et il m'a généré une interface JAX-CRS que après j'ai plus qu'à implémenter. En fait, ce que j'aime pas là-dedans, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il va générer pour chaque méthode RAML une méthode Java, ça c'est bien. Ce que j'aime pas, c'est ça, en fait, ils ont défini une surcouche des objets Java dans lequel ils mettent l'objet Java retourné plus le code HTTP. C'est une question de point de vue, j'aime pas forcément. À l'utilisation, c'est pas désagréable, c'est peut-être plus de la religion ou quelque chose comme ça, mais voilà. Mais j'aime beaucoup de manière globale. C'est déjà un super point de départ pour des gens qui connaissent pas REST. Ils sont obligés de réfléchir à ce que c'est du reste. Ça leur donne une première implémentation, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Et après, ils peuvent la modifier comme ils veulent. Il y a des générateurs pour Node aussi ou... Il faut les coder, je pense. Mais non. Je pense que les gens de Mule, ils travaillent sur des choses liées à Node. Il y a des choses qui sont en train d'apparaître. Il y a des choses qui sont chiffres, je crois. Oui, il y a des choses qui... Mais ça sort, je... Générer des à partir de... Je crois que c'est même pas. En fait, c'est pas du Express Node, c'est une sous-couche d'Express ou du framework qui est vraiment lié à. Qui est codé par Mule par rapport à leurs besoins. Alors, s'il y a des questions.